fureur de la mer vue d'un bateau ou vue de la côte, c'est, il n'y a pas de doute, c'est un tableau des plus impressionnants et des plus envoûtants d'ailleurs que l'on puisse contempler. C'est une mer terrifiante lorsqu'il fait mauvais, où on a un mal fou d'ailleurs à retrouver son chemin, et où finalement la meilleure manière de se sauver la vie, c'est d'en sortir. Quand on met bout à bout des côtes difficiles, une météo parfois chaotique, une zone fréquentée depuis toujours par toutes les sortes de marines, c'est un lieu idéal, c'est un piège à bateau. C'est un événement dans une vie qui est extraordinaire, mais dans le mauvais sens. Quand ça nous est arrivé, on a cru que tout basculait. Le fond des mers comme ultime destination, l'eau, le sable, les courants comme linceul d'éternité. Les navires perdus ne le sont pas tout à fait, leur naufrage n'est qu'une étape, un passage vers une seconde vie, synonyme de rêve et d'aventure sous-marine. Les épaves sont tellement nombreuses qu'il est impossible de connaître leur nombre exact. Il y en a de toutes sortes et de toutes les époques, à tel point qu'au fil des siècles, elles ont fini par constituer un patrimoine sous-marin unique en France. Autrefois chasse gardée d'une poignée de sportifs chevronnés, la plongée sur épave se démocratise et attire toujours plus de public, avide de sensations fortes et d'histoires fantastiques. Dans ce film, nous vous proposons de partir à la découverte de quatre navires engloutis en Manche et en Atlantique. Quatre épaves représentatives de l'histoire maritime bretonne, les pièces maîtresses d'un musée sous-marin en perpétuelle évolution. Pour commencer les titres de la matinée, nouvelle marée noire au large des côtes bretonnes. Un super tanker s'est échoué au nord-ouest de Brest, peut-être même la plus grande marée noire qu'on ait jamais connue sur les côtes françaises. On pressent la catastrophe sur... Dans la grande histoire maritime française, certains naufrages auront davantage marqué les esprits que d'autres. Celui de la Moco Cadiz, le 16 mars 1978, en fait partie. En se brisant en deux devant Port-Sal dans le Finistère, le pétrolier libérien est à l'origine d'une pollution sans précédent. 220 000 tonnes de pétrole brut déversées sur 400 km de côte auront provoqué la mort de milliers d'animaux marins et l'arrêt immédiat de toutes les activités de pêche dans le secteur. À 5 h du matin, j'ai reçu un coup de téléphone. C'est mon père qui m'a appelé pour me dire « bon, il y a un pétrolier qui s'est scratché à Port-Sal ». Voilà. Je me souviens, moi, je me suis effondré hein, parce que j'ai dit « ici, ça y est, on est foutu ». On ne pensait jamais pouvoir s'en sortir. Ça rentrait. Ici, dans les bassins, quand un jour on a pompé, du pétrole direct, tout était noir. Ça venait du fond de la mer. La mer Benoît, c'est celui qui a pris le plus. On n'a pas oublié, loin de là. Hein. C'est... Bon. La cicatrice existe, disons. La Moco Cadiz, c'est pour moi, à titre très personnel, un souvenir très fort. J'étais encore au lycée à ce moment-là, mais je me souviens très bien que
Et pourtant, j'étais en région parisienne. Les élèves se mobilisaient sur cette question de la moucocadie, se demandaient comment rejoindre la Bretagne pour aider à nettoyer les côtes. Le naufrage, c'est le moment, c'est l'actualité, c'est l'émotion, c'est la mobilisation que le public prend à ce moment-là, ressent des formes de solidarité. Et puis, après cela, c'est aussi, ça nous amène sur une réflexion sur l'évolution de la sécurité du transport en mer dans le cadre du commerce. J'ai appris cet après-midi que si les pétroliers passaient si près des côtes, dans un passage réputé difficile depuis toujours, c'était pour des questions de rentabilité. Les armateurs se refusent à effectuer le détour qui s'imposerait. Il y a des moments où il faut choisir et se montrer ferme, n'est-ce pas? Bref, c'est insupportable, ça dépasse l'entendement. Nous sommes dans le bâtiment de l'Ancre en Éor, qui est donc sur le môle du port de Port-Salle. C'est un bâtiment qui a plusieurs vocations, dont faire la rétrospective des événements de mars 78 et donc de la catastrophe du pétrolier à Moco-Cadiz. Et là, on se trouve plus particulièrement à l'étage de ce bâtiment, dans la salle panoramique, qui accueille de multiples expositions pendant toute l'année. Et cette année, nous avons décidé de faire une collecte de mémoire. Donc, nous avons demandé à des contributeurs pendant toute l'année de venir nous apporter leurs souvenirs, leurs objets. Et donc, ben, nous sommes au milieu de l'exposition qui en a émergé. C'est une certaine fierté d'avoir réussi à se fédérer comme ça entre plusieurs communes, d'abord pour le procès, effectivement, mais aussi d'avoir fait émerger une sorte de conscience écologique nationale, voire même internationale. C'est ce qui reste de la Moco-Cadiz, ça, et puis pour les plongeurs, bien sûr, l'épave. Donc là, on prend la route. Avec une super météo. Là, on prend route sur Ocorejou, où est basé le centre de plongée. Donc ce matin, un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que certaines plongées sont tributaires de la marée, comme la plongée qu'on va faire ce matin sur la Moco, qui demande de plonger à l'étale. Donc du coup, on est tributaire de l'heure de marée. Mercredi. Okay. Perrine et Jean-François ont ouvert le centre de plongée du Corréjou il y a 9 ans à Plouguerneau. Parmi toutes les épaves qu'ils proposent à leur clientèle, celle de la Moco-Cadiz est la plus demandée. Au niveau des épaves, c'est vrai qu'il y a quand même la Moco-Cadiz qui est tristement connue, mais qui attire quand même des gens d'un peu partout. C'est vrai qu'on a des plongeurs belges, on a des plongeurs hollandais qui viennent spécialement pour l'épave de la Moco. Et en plus, ça leur permet de découvrir d'autres choses aux alentours. Mais c'est vrai que c'est un peu le moteur de leur sortie. On est attaché à la région, de pouvoir faire de sa passion son métier à un endroit auquel on est attaché. C'est vrai que c'est possible, c'est pas facile tous les jours, mais dans l'ensemble, on s'en plaint pas. Et c'est vrai que des périodes un peu plus intenses l'été, mais en contrepartie, une avant, une arrière saison qui sont un peu plus calmes. Donc on arrive à travailler toute l'année et puis à se faire plaisir aussi. Vous imaginez le bateau, l'hélice, et donc l'épave, elle est inclinée sur bâbord. Et vous allez venir chercher la partie haute, ici, de l'épave, pour venir descendre directement au niveau du safran. Donc, je vous souhaite une bonne plongée, possibilité qu'il y ait encore un petit peu de courant à la mise à l'eau, ça va s'atténuer pour la plongée. Fort de son succès chez les plongeurs, la Moco-Cadiz est passée du statut de traumatisme à celui d'argument touristique et sportif.
Cadis fait partie des plus grands navires coulés au monde, mais il en existe bien d'autres encore dans le secteur. Jean-François et Perrine en ont découvert une petite partie et ils prospectent encore. Sur le secteur sur lequel on se trouve, en une distance de 20 000 à peu près du port, on a à peu près plus de 200 épaves qui restent à trouver. En fin de compte, tout l'historique de ces épaves à la dernière guerre avait été mis aux archives. Et en fin de compte, le bâtiment a brûlé, donc il ne nous reste plus que le sommaire des épaves. Donc maintenant, à nous, avec les informations qu'on peut avoir à droite, à gauche, d'essayer de trouver ces épaves. Il y a encore des choses à travailler à ce niveau-là, donc c'est vrai que c'est quand même des parts d'histoire. C'est toujours intéressant de faire justement ces découvertes. Ça sera de toute façon une expérience et puis très riche, enfin, de rencontres humaines, de rencontres sur l'eau, sous l'eau. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant et aucun regret sur ce projet, enfin, sur cette création de centre. Il y a des zones qui ne vivent que parce que, enfin des zones de plongée, je veux dire, que parce qu'il y a des épaves. Ici, la Moco Cadiz est un aimant très fort pour faire venir les plongeurs. C'est une évidence. De la même manière que certaines épaves, je pense à l'Umbria au Soudan, font déplacer les plongeurs spécifiquement. Ou le Sistel Gorm en Égypte, des épaves mythiques comme ça, qui justifient le voyage, bien sûr. Qu'elle soit à la voile, de pêche, de guerre ou de commerce, aucune marine n'ignore la dangerosité des côtes bretonnes. Certaines zones sont plus redoutées encore que d'autres, l'Iroise notamment. Je pense que c'est une des mers les plus dangereuses du monde, oui, au tournant de la pointe du Conquet, là, ou du côté du Ratzin, avec ces courants comme ça, très puissants, qui traversent le pont de Saint ou la Basse Froide ou toute la chaussée des Pierres Noires là, autour de Molène et d'Ouessant, avec ce courant du Framver qui peut dépasser les 8 nœuds lorsque le vent va dans le sens du courant, on est dans des mers qui sont parmi les plus dangereuses du globe et qui d'ailleurs l'ont bien prouvé, sommées qu'elles sont comme ça de centaines et de centaines de naufrages à travers les âges. En plus, c'est une mer qui se cache volontiers, qui disparaît dans la brume. À des moments d'ailleurs où la tempête n'est même pas là, cette absence de visibilité, avec tous ces rochers que l'on ne voit plus et dont on oublie qu'ils existent, quelquefois les plus grands marins ont ressenti cette espèce d'abolition des choses et un sentiment de sécurité là où spécialement ils sont en danger de mort. Les naufrages sont là pour nous le rappeler. Le soir du 16 juin 1896, le bateau faisait route de l'Afrique du Sud direction l'Angleterre, le Drémont Castel. Ça faisait déjà 2 jours qu'il naviguait dans le brouillard. Et puis le soir, à 23h15, le bateau tape dans un caillou. On saura plus tard que ce caillou, c'est le Main Beyond, qui fait partie de la chaussée des Pierres Vertes, mais ce bateau se déchire sur le caillou et va couler théoriquement en moins de 7 minutes. Donc le lendemain matin de cette histoire, à Molène, à Ouessant ou au Conquet, personne ne sait que ce bateau a coulé. C'est Mathieu Masson, un pêcheur de Molène. Il part donc avec son équipage dans le brouillard. Et puis, au bout d'un moment de navigation, il commence à trouver des débris sur l'eau. Mathieu Masson a trouvé les 2 premiers survivants. J'étais sur un espèce de radeau, là, un panneau de cale. Eh bien, il y avait Charles Wood et William Scobot. C'était 2 marins qui travaillaient sur ce bateau. Ils les ont embarqués tant bien que mal à bord du bateau et les ont ramenés sur Molène. Tous les bateaux qui se sentaient capables de naviguer dans la brume sont partis. On a été prévenir Ouessant, on a été prévenir le Conquet. À partir de là, ça s'est concrétisé, on a cherché partout et à force, eh bien, le soir, les bateaux ont ramené 29 cadavres sur Molène. Je crois qu'ils en ont ramené 7 sur Ouessant. Le nombre de personnes embarquées sur le paquebot varie selon les sources.
Certains évoquent 250 passagers, d'autres 483. Seul le nombre de rescapés fait l'unanimité. Ils n'ont été que 3. On a essayé de faire des cercueils. On a trouvé du bois partout où on pouvait. On a été démonter des toits pour essayer de récupérer de la voliche. Après, pour les emmailloter, il a fallu trouver du linge. Tout le monde y participait, les femmes, tout le monde. C'était surtout le rôle des femmes à l'époque. Et tout le monde s'y mettait. Et puis, on a enterré ces gens-là comme si c'était des propres membres de notre famille. C'est peut-être pour la Bretagne ce que le Titanic a été pour le reste de la planète. Une histoire qui marque et dont on se souvient longtemps parce que ça n'a pas seulement concerné les gens qui étaient à bord, mais les populations. Et donc, on se racontait encore dans les familles que le grand-père, etc., ou l'arrière-grand-père avait participé au sauvetage. Donc, c'est là qu'on voit que la vie maritime... Le bateau qui passe, puisque celui-ci n'avait pas vocation à s'arrêter sur les côtes de France, hein, mais il s'y est définitivement arrêté, mais que ce bateau qui passe peut avoir des retombées très importantes sur la vie sociale et sur la mémoire des populations maritimes locales. La reine Victoria a fait des médailles qu'elle a données à l'effigie de la reine Victoria en argent. Alors, il y en a eu 87 qui ont été donnés sur Molène, mais qui ont été donnés aussi bien à Port-Salle, qui ont été donnés sur Ouessant, enfin bref, tous ceux qui ont participé à ça. Après ça, il y a eu la citerne des Anglais qui a été faite, donc qui a été financée par la reine Victoria. On n'avait pas de point d'eau sur Molène, ça a été le premier point d'eau qui a été fait. Le curé, il a reçu un calice en or avec 178 pierres précieuses. Il y a du diamant, du rubis, de l'émeraude, du jade, de la perle. La reine Victoria a fait, dans les grands ateliers du Big Ben de Londres, elle a fait construire une horloge, fabriquer une horloge, qui sont venus installer sur Molène. On a une horloge qui est magnifique. Donc ces traces-là font partie de Molène, et font partie des Anglais, font partie du naufrage. Donc ce naufrage fait partie de Molène. Alors la maquette que j'ai construite, j'avais fait cette maquette pour... Je trouvais que ça parlait mieux, une maquette. Ça, c'est quelques objets qui font partie des épaves. Mais c'est surtout cette vitrine qui est intéressante. Cette vitrine est intéressante parce que c'est des pièces authentiques du Drémont Castel. C'était des hublots de porte, en fait. C'est pas des hublots qui s'ouvraient. Hein. C'était pour voir à travers. Ça devait être... des hublots de salles de restaurant ou autre. On voit très bien la concrétion, le temps qui a bouffé dans le bois, mais on peut se rendre compte déjà de l'épaisseur du carreau. C'est des pièces quand même qui ont passé un siècle sous l'eau, et c'est vrai que c'est des pièces magnifiques, quoi. Le fond de la mer, ça continue d'être pour l'être humain un conte de fées. Et lorsqu'un navire arrive dans ce conte de nourrice, lui-même, il devient une espèce de personnage qui n'est plus ni vivant ni mort, mais qui est un personnage de rêve, un héros de rêve. Et on a envie d'aller à la rencontre de ce grand rêveur qui est devenu le bateau au fond de la mer. Et il mesurait combien ? Ouais, il fait 100 mètres. Le Drummond ? 110 mètres. 110 mètres. On va essayer de faire le Drummond Castle, qui est une épave mythique du secteur, hein, très connue sur Molène et Ouessant. Et par contre, les conditions météo sont un peu justes à cause du brouillard et de la brume, là, et il risque d'avoir un peu de vent. Comme c'est un secteur un peu difficile à gérer, parce qu'il est en plein dans le Fromveur, avec des problèmes de courant et de vagues générées par le courant. On va voir si on peut le faire, quoi. On verra bien si on y arrive.
Vas-y, mouille. Okay. Mouille. Là, on a mouillé sur un point qu'on a relevé il n'y a pas très longtemps, là, qui est pile à l'étrave. Donc, on va faire la plongée sur l'avant du Drummond Castle. C'est la plus belle partie de l'épave, on va dire. L'étrave est très, très belle, très droite sur le fond. Elle décroche vraiment bien par rapport au fond. L'intérêt c'est pour les photographes et pour la vidéo, c'est d'avoir quelque chose de photogénique, quoi. T'as vu le bleu? T'as vu le bleu? Le bleu où est son teint? C'est une épave que j'ai dû faire une petite quarantaine de fois, ouais. Hein, mais comme on la fait rarement, en fait, ou pas très souvent dans la saison, bah, c'est toujours un plaisir, quoi. Et là, comme les conditions y sont, c'est vrai qu'il n'y a déjà pas de stress en surface. Donc après, c'est que du plaisir. Maintenant, je croise les doigts pour la visibilité. Je croise les doigts pour la visibilité. Je vais prendre mon matos photo. Olive, s'il te plaît. Attends, je vais l'attraper. C'est bon. Voilà. Je vais laisser la place. Donc moi qui fais de la photo, là je me suis concentré sur l'étrave. Des rares épaves encore qui possèdent une étrave posée bien droite sur le fond. Dans le Fromver, c'est quand même assez exceptionnel. Toutes mes photos sont faites en lumière naturelle, donc il me faut impérativement une belle visibilité, et aujourd'hui c'est le cas. C'était magnifique. Le Drummond Castle, c'est un peu le Graal de la plongée bretonne. Une visite fantastique, on a pu faire toutes les papes, c'était fantastique. C'est pas la première fois que je l'ai fait, mais c'est peut-être la plus belle plongée, là, c'est très sûr. Ah, et l'étrave est majestueuse. Non, la visibilité est bien dans, place, hein. Dans la souille, là. Là, tu chopes 66 mètres et... T'as 66 au pied de l'étrave ? Ouais, dans la souille. Après l'immersion sur le paquebot anglais, l'équipe du Brest Recherche Plongée décide de faire escale sur l'île de Molène. C'est bronzé toute l'année, on se demande ce que c'est. Jacques Lelay, caméraman sous-marin, en profite pour rendre visite à ceux qui ont localisé puis déclaré la position du navire aux affaires maritimes. C'était en 1979. Bonjour. Bonjour. J'avais vraiment l'impression de voir les hublots du bateau qui bougeaient. Là, vous allez voir la lignée des hublots. Ça, c'était la première plongée qu'on avait faite. C'était impressionnant. Ah oui, là, on voit bien. Là, c'est impressionnant. Ouais. Moi, je me souviens pas d'avoir vu le bateau dans toute sa largeur. Pardon. On a vu des... Enfin, c'était pas la Là, vous êtes tombé sur une visibilité exceptionnelle. On a une vingtaine de mètres. Moi, je pense qu'on a une vingtaine de mètres. Ouais. Et là, c'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, en plus, il n'y avait pas de luminosité extraordinaire. La première plongée qu'on avait faite, on était tombé où? D'abord, on avait dû tomber sur le côté. On n'était pas sur l'épave même. Non, on n'était pas loin de cet endroit-là. Ouais. Là. Et puis, on avait dû arriver sur le côté et puis on voyait des hublots ouverts. Mais vous allez les voir, je crois. Avec l'impression que ça bougeait dans le courant. Voilà. C'est vraiment l'impression, le souvenir que j'en avais. Si ce n'est que là, on les voit en hauteur. Alors moi, le souvenir que j'en avais, c'était de les voir sur le côté. Et ce sable, le sable blanc, ça, c'est le souvenir aussi. Il y a une sacrée dune de sable. Ouais. C'est là qu'on voit la violence du courant pour accumuler des tas de sable comme ça à cet endroit-là. C'est très émouvant. J'aurais bien voulu faire partie de l'équipe qui a plongé aujourd'hui. C'est plein de souvenirs, ça remonte à loin, mais je me dis qu'on y retournera et puis j'espère qu'on verra la même chose.
quand on met la palme la première fois sur l'épave, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est vraiment c'est des moments de grande joie, de fierté aussi parce qu'on l'a trouvé, mais de grande joie. Et puis, je fais toujours la comparaison des premières plongées sur une épave avec les aventures de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Je crois que c'est des rêves de gosse. Hein. On rêve tous de trouver une épave. Et quand on a vécu cette aventure, on est heureux, on est fiers. Et puis, l'avantage du film, hein, c'est que ça permet de transmettre ce que l'on a vécu à nos enfants ou à nos petits-enfants. Tu peux essayer de voir un petit objet, un petit truc qui va... Si on peut tomber sur une assiette comme ça avec le sigle de la compagnie, ça y est, on sait que c'est la cloche. On a fait pas mal de recherches au sondeur. À l'époque, nous avions ce qu'on appelle un sondeur à éclat. Hein, ce n'était même pas un enregistreur, un petit sondeur, qui nous donnait les anomalies du fond. Et lorsque nous détections une anomalie, plutôt que d'aller plonger à 60 mètres pour découvrir un rocher ou quelque chose de ce genre-là, nous prenions des petits plombs, des plombs de ceinture, tout simplement, mis au bout sur un dérouleur, sur des bouts à tons, des gros bobineaux qui se déroulaient très rapidement, des bobineaux de 100 ou 150 mètres. Lorsque le plomb arrivait au fond, on le traînait très lentement, et aussitôt qu'on sentait qu'il avait frotté sur quelque chose, on le remontait tout de suite pour voir la nature du fond. Donc soit on y trouvait des traces blanches de roches, hein, puisqu'en fait c'est ça souvent ce qui se passe, ou alors évidemment ce que nous espérions c'était des traces de rouille, des traces de tôle. Donc le plomb gardait bien la mémoire. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que nous avons localisé le Drummond Castle. Donc je pense qu'on a quand même concouru à conserver ce patrimoine, cette mémoire de l'île, concernant, on a matérialisé, concrétisé la mémoire de l'île sur le Drummond Castle, puisqu'en fait le Drummond Castle était arrivé à Molène presque à une légende. Et on a matérialisé la légende. De la météo, les avaries à bord, les conflits peuvent entraîner des bateaux par le fond, créer des drames humains. Et donc cela nous rappelle à chaque fois les nécessités pour lesquelles les hommes ont navigué. Les épaves sont comme les châteaux, les bases militaires et même les blockhaus, si nombreux le long du littoral breton. Elles font partie de notre héritage culturel, à la seule différence qu'elles ne bénéficieront jamais de programmes de restauration et de réhabilitation, comme d'autres sites littoraux. La base sous-marine de Lorient, par exemple, est aujourd'hui un pôle de voile et de course au large réputé dans le monde entier. Mais malgré les coques colorées et l'affût touristique sur le site, impossible d'ignorer son histoire. Il y a 75 ans, à l'intérieur de ces alvéoles de béton, rôdait encore une meute de loups gris, les fameux U-boats, l'effroyable machine de guerre nazie. Cette base sous-marine de Lorient, là, cette BSM, déjà c'est la plus grosse architecture militaire de la Seconde Guerre mondiale, puis du XXe siècle. Elle est surtout emblématique de la stratégie navale allemande qui mettait en avant l'arme sous-marine, stratégie qui a échoué dès l'entrée en guerre des Américains. Mais disons que c'est vrai que ce sont des vestiges très, très, très représentatifs d'une époque heureusement révolue, mais on a vu l'arme sous-marine utilisée avec toutes ses possibilités. La base sous-marine de Quéroman inspire beaucoup Jean-Louis Morette, écrivain et plongeur lorientais spécialisé dans les sous-marins de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
ça tombe un petit peu en ruine. Mais c'est vrai qu'on ressent cette menace. Il n'y a qu'à voir ces alvéoles qui sont quand même sombres. On ressent comme une menace latente. On imagine très bien des sous-marins qui sont en attente de partir au combat et puis de faire des ravages sur la mer, quoi, de couler des milliers de bateaux comme ils l'ont fait. Donc c'est vrai qu'ici, on a une impression vraiment très, très spéciale, très particulière, parce qu'on plonge dans l'histoire. Kapitänleutnant Kretschmer, jede Bewegung am Horizont. Da ist er, ein respektabler Frachter. Achtung, Torpedo, los! Depuis quelques années, le littoral breton s'est surtout singularisé par des équipes qui tentaient de mettre en valeur des épaves plutôt des grands conflits contemporains du XXe, hein, les grandes guerres 14, 18, et puis la Seconde Guerre mondiale qui ont jonché la côte bretonne, et d'ailleurs au-delà, le Cotentin, la Manche et la mer du Nord, d'épaves dont on disait autrefois des ferrailles et dont on voit aujourd'hui qu'elles sont une part de l'histoire de l'humanité. Donc la Bretagne a une extraordinaire richesse, et derrière toutes ces épaves contemporaines sur lesquelles on s'est focalisé depuis quelques années, on va redécouvrir à nouveau des grands sites. Le service historique de la Défense, c'est un passage obligé dès le moment où on s'intéresse à l'histoire maritime. On a accès à une iconographie impressionnante, des plans, beaucoup de documents d'archives, évidemment. Jean-Louis publie des articles dans la presse spécialisée dans laquelle il tente souvent de mettre en avant la petite histoire dans la grande. C'est pour cette raison que le destin d'un sous-marin, le U-767, retient aujourd'hui toute son attention. Le U-767 fait partie de la trentaine de sous-marins qui ont été envoyés par l'amiral Deniz après le débarquement du 6 juin pour essayer le plus possible de gêner les transports alliés. Le débarquement était fait, bon, il y avait une tête de pont qui était en train de se monter, mais il était intéressant et c'était obligatoire pour Deniz d'envoyer quelques sous-marins. Le peu de sous-marins qu'il avait, il en envoyait une trentaine, 33-34 je crois, il n'en a quand même que une trentaine qui sont restés dans la Manche. Donc il y a eu très très peu de survivants. C'était un passage obligatoire, quoi, dans la stratégie de Denis, la tactique plutôt. Il fallait absolument envoyer des sous-marins pour gêner les convoiliers. Mais le 18 juin 1944, lorsque le sous-marin emprunte la Manche, les forces alliées ont déjà décrypté le fameux code de communication nazi. Le U-767 est vite repéré et pris en chasse par un groupe de frégates anglaises qui lui envoie une pluie de grenades sous-marines. Il sombre alors corps et biens à quelques milles au large de Penvénan dans les Côtes d'Armor. C'était une cinquantaine de sous-mariniers, il y en a 49 qui sont restés au fond. Il y a eu un seul survivant, c'est Walter, qui était électricien, qui était pris à l'arrière avec 18 de ses camarades. Et c'est le seul survivant, c'est le seul qui a pu réchapper du 767, qui repose quand même à moins 75 mètres de fond. C'est par ce panneau de chargement des torpilles que l'électricien allemand, alors âgé d'une vingtaine d'années seulement, réussit à s'extirper de son piège d'acier. Donc c'est déjà un miracle qu'il ait pu sortir à cette profondeur et en réchapper. D'autant plus que quand il est sorti, il y avait l'HMS Havelock qui continuait de grenader. Il grenadait le sous-marin, quoi, pour être sûr de l'achever. Donc double miracle au milieu des explosions de grenades anti-sous-marines qui sont énormes, quoi. Il y a des énormes ondes de pression. Premier miracle, il sort avec un appareil à oxygène pur. Et en plus, bon, il réchappe quand même aux ondes de pression déclenchées par un énorme grenadage sous ses pieds, quoi. «
On a été en relation épistolaire avec le survivant, Walter Schimmenkopf. Et après, on a été là-bas avec des amis au Hutboot Archiv à Cuxhaven, chez Horst Bredow, pour trouver des photographies, notamment sur ce sous-marin. Et avec des témoignages comme celui de Walter Schimmenkopf, on aborde la Seconde Guerre mondiale d'une manière un peu différente par rapport à du virtuel, de la lecture, des choses comme ça. On est directement en lien avec une personne qui l'a vécu et qui est apte à vous faire profiter un petit peu de son expérience. Bon, on s'aperçoit quand même qu'on a affaire à des gens tout à fait normaux qui ont été pris dans une spirale infernale qui n'était pas du tout volontaire pour la plupart. Et ceux qui ont survécu ont été très contents de s'en sortir vivants. À travers la mise à jour d'une épave comme celle-ci, quelque part on est dans l'ordre du monument aux morts, mais pas seulement, on est dans quelque chose d'extrêmement dynamique pour les générations futures. Donc c'est toujours une découverte, une redécouverte, un éclaircissement. Et un apport de matériaux pour les historiens et au bout de la chaîne, évidemment, pour les médiateurs que nous sommes dans les musées, auprès du public, d'être à même de leur restituer ces histoires. Plonger sur une épave, garder l'information pour soi, l'intérêt est tout à fait personnel. Nous, notre but, c'est de partager l'information. On la diffuse, on diffuse des positions, on diffuse des photos. C'est passionnant et c'est un plaisir de partager l'information, partager ses émotions. Comme leurs équipages, les épaves subissent les affres du temps et finissent immanquablement par disparaître. Les choses sont condamnées à finir, les civilisations sont mortelles, les pyramides disparaîtront. Il faut aussi accepter cette part d'éphémère des choses, est également extrêmement belle et contribue à la beauté des choses, même à la beauté d'un patrimoine. Quel que soit l'effort de préservation comme ça, que l'on apporte à un patrimoine, il y a aussi un patrimoine dont la beauté, c'est d'être plus éphémère que d'autres. Mais souvent, c'est l'homme lui-même qui participe à la dégradation de ces morceaux d'histoire en les pillant. Le patrimoine sous-marin est pourtant la propriété de l'État. Il est donc à ce titre protégé. Le phénomène majoritaire, à mon sens, c'est le prélèvement quotidien par des tas de gens de n'importe quoi partout. Ça, c'est le phénomène majoritaire. Et après, il y a le phénomène qui relève vraiment du pénal. C'est l'extraction rentabilisée, systématique d'épaves que l'on pille. Et c'est ça le problème, c'est... On peut piller une salle de musée pendant la nuit. Effectivement, c'est un pillage lourd, mais si chacun d'entre nous emporte un morceau d'une toile, le tableau aura quand même disparu in fine. Il y a donc nécessité de prospecter et d'inventorier les sites les plus remarquables en vue de leur préservation et de leur présentation au public. C'est justement le rôle de l'ADRAMAR, l'association Malouine spécialisée dans le développement et la recherche en archéologie maritime. Au niveau du matériel et tout ça, c'est bon ? Ouais, c'est bon, ouais. Voilà. Nous retrouvons ces équipes à bord d'Hermine Bretagne, leur bateau base. Elles mènent ici dans la Rance leur troisième campagne de fouilles. Et vous pensez en remontant ? À me donner vos pressions, vous me les donnez avant de sauter, je vous les demanderai, et en remontant, à me les donner, en sortant de l'eau. Vérification des pressions en sortant. Okay. Hermine Bretagne se positionne dans la Rance aujourd'hui parce qu'en fait, on a une épave qui s'appelle ZI24, du nom de la zone interdite bouée 24. Et cette épave, elle est connue déjà depuis, on va dire, plusieurs dizaines d'années. Par le fait d'avoir au fond 11 canons qui sont posés tête bêche les uns contre les autres. C'est très atypique dans le sens où ces canons sont très bien rangés, ce qui sous-entend en fait qu'ils sont descendus au fond avec des choses qui les maintenaient dans ce rangement-là. Et les choses qui maintenaient, c'est potentiellement un navire. Pourquoi on doit avancer absolument aujourd'hui, c'est dégager la carlingue pour avoir sa longueur. Parce que dans cette zone-là, on a du lest et du gros lest. Hein, vous avez dû le voir, on a des grosses pierres qui
peuvent faire jusque 50 cm. Donc ils sont vraiment moulés au fond de carène. Ça, c'est dur à enlever, c'est assez physique. Donc là, c'est pour ça qu'on a organisé en deux palanquées, c'est-à-dire Django, Charlotte, Anne et Yann, pour qu'il y en ait un, en fait, qui enlève le lest et l'autre qui le déplace sur le tas de lest qu'on a commencé à implanter dans cette zone-là. Donc vous pouvez utiliser soit des caisses... Les recherches en archives, menées conjointement aux plongées sur le site, ont mis les historiens sur la piste du César, un galion marchand de la fin du XVIIe siècle, chargé de transporter des marchandises entre Brest et Saint-Malo. Ces documents font état de son naufrage dans la zone en 1692. À l'époque, le royaume d'Angleterre veut faire main basse sur Saint-Malo. Il met alors en place une stratégie de harcèlement et d'occupation des eaux devant la ville corsaire. Les Anglais régulièrement, quand ils ne pouvaient pas attaquer frontalement, envoyaient des brûlots. Donc des bâtiments remplis de matières inflammables, de poudre qui étaient jetées sur les bâtiments au mouillage. Donc ça pouvait anéantir toute une escadre. Donc ce qui se passait pour éviter ça, l'embouchure de la Rance au niveau du port de Saint-Malo diminuant, différentes rades existaient où les bâtiments pouvaient être mis pour être réarmés, désarmés. Donc ça permettait de faire ça à l'abri. Voilà. C'est vraiment en retrait port de Saint-Malo, où les bâtiments, là, il y avait vraiment une zone de travail. Barrage de la Rance, d'Hermine Bretagne. J'écoute. Autorisation de mettre les plongeurs à l'eau. Ouais, donc là, on est à l'arrêt, hein, depuis 12h50, on redémarre à 13h40. D'accord, merci. Allez. Allô. Sous l'eau, chaque technicien a son propre espace de travail ainsi qu'un rôle prédéterminé. Plan de la zone investiguée, déblaiement. Ici, cette équipe procède à des prélèvements sur le bois de l'épave. L'analyse dendrochronologique permettra de déterminer la date d'abattage de l'arbre à l'année près. À des moldus différents, des pâtes différentes, des briques moulées. Ouais. Donc briques moulées parce qu'on voit bien ici en fait la trace du moulage. Le liseré qui fait pourtour, elle a été moulée comme ceci, aplanie, démoulée et on l'a passée en cuisson. Le chantier archéologique ne s'arrête pas à la fouille, exclusivement donc sous-marine, mais tout ce qui est remonté en surface, prélevé, va nous passer entre les mains au cours de la mission pour qu'on puisse enregistrer tout le mobilier qui a été remonté. Donc le mobilier est systématiquement inventorié, étiqueté avec un numéro d'inventaire, une date, etc. On enregistre les dimensions. Les matériaux qui composent l'objet concerné et tous les indices qu'il peut nous révéler. Donc c'est vraiment de l'observation méthodique pour pouvoir enregistrer un maximum d'informations qui nous permet d'identifier l'objet, même si c'est très flagrant à première vue, mais de pouvoir, par rapport à sa forme, ses matériaux qui le composent, lui attribuer une période chronologique, une période historique, et peut-être, par comparaison avec des typologies connues, lui attribuer une date plus précise. On avait une parfaite corrélation entre ce que j'ai trouvé en archives et ce qu'on avait sous l'eau. Voilà. Mais l'analyse dendrochronologique nous a prouvé le contraire. C'était pas le César. C'était pas le César, voilà. C'est une déception, bien sûr, pour les archéologues, mais fort heureusement, leur mission ne s'arrête pas là.
À chaque fois en fait, qu'on fait une opération de terrain, on essaye derrière de faire de la médiation dessus. Donc des fois, ça prend un peu de temps parce qu'il faut le temps d'analyser les informations qu'on a acquises, etc. Mais on essaye toujours de faire un rendu, ouais, que ce soit sous la forme d'une exposition qui va être ponctuelle ou vraiment de quelque chose de plus important. Mais oui, c'est vraiment important pour nous de rendre en fait, ce qui appartient à la population et à l'histoire de chacun, quoi. Vous, aujourd'hui, vous allez faire les archéologues sous-marins. Est-ce que c'est vraiment les objets du bateau ? C'est vraiment les objets du bateau. Mais ils sont vraiment au bon endroit ou pas ? Ils sont vraiment au bon endroit. Alors comment t'as fait pour les déplacer et les mettre vraiment au bon endroit ? Parce que quand j'étais sous l'eau, j'ai fait des photos et j'ai fait mon dessin. Vous allez, avec une petite planchette et un crayon, relever, c'est-à-dire faire le dessin des objets à l'intérieur du carré, mais à la position exacte de là où ils sont dans le carré. Le chantier archéologique se poursuit dans les locaux de la Dramar à l'occasion d'un atelier pédagogique auquel participent ses enfants d'un centre de loisirs de Saint-Malo. Ils sont juste au bord. Les boutons, ils sont... Ouais, c'est bien. Et après, comme ça, on pourra mettre les noix. Voilà. On essaie d'employer en fait les mêmes techniques qui sont déployées sur le terrain, donc on est dans le vrai en fait, et ça compte beaucoup. Ils ont vraiment l'impression de participer, de se mettre à la place de l'archéologue. Et l'archéologie sous-marine, ça fait appel à l'histoire, aux mathématiques, au dessin, donc plein de disciplines en fait complémentaires de ce qu'ils apprennent à l'école. Et ils y trouvent une application pratique en fait. Une casserole, on dirait un truc de cocotte. Alors attention. Regardez bien, cet objet a été trouvé sur le site de l'épave Zedi 24. Et comme il est très très intéressant, on l'a envoyé en laboratoire de restauration et conservation, qui a fait un traitement pour qu'il puisse passer à travers les années et les siècles et rester parmi nous sans être abîmé. Tu vois les traces ? C'est pour qu'ils puissent également se réapproprier ce bien, ce patrimoine qui est à eux. Et du coup, ils en deviennent les protecteurs quoi, pour l'avenir aussi. J'aime les pirates, j'aime tout ça. Tout ça, c'est dans mon monde. C'est intéressant. On a plusieurs objets qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre. Par exemple, une chose qui ressemble à des haltères, mais en fait, c'est un boulet de canon. On met une mèche et on le lance et ça explose. Un jour, peut-être, Saint-Malo disposera d'un musée consacré à son glorieux passé de ville corsaire. Car faire partager son héritage culturel au grand public, c'est ouvrir les frontières du temps et des territoires. En balayant 2000 ans d'histoire maritime, la récente exposition de l'amphore au conteneur, organisée au Musée national de la Marine à Paris, a d'ailleurs parfaitement rempli cette mission. La présentation dans un musée, sous quelque forme que ce soit, je trouve que c'est la meilleure contribution au rêve. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je le répète inlassablement, les épaves sont de fantastiques machines à rêver, et donc je ne veux pas que ces rêves soient égoïstes et qu'on les garde pour nous. La démarche d'exposition, pour moi, c'est une manière de communiquer le rêve ou de communiquer l'envie de rêver. Et dans un monde où on rêve de moins en moins, où on cauchemarde trop souvent, je trouve que c'est une belle fonction, non, pour le drame. La réalité augmentée et l'image en trois dimensions se démocratisent. Elles permettront bientôt à une grande majorité d'entre nous d'observer le fond des mers en toute sécurité et en restant bien au sec dans le confort des musées. Ces images ne remplaceront jamais le réel. En revanche, elles le documentent, elles interpellent, elles viennent se combiner avec des objets archéologiques qui, eux, sont parfaitement réels et qu'on peut trouver dans un musée. Et c'est ça qui amène les gens dans une curiosité sur l'histoire et sur l'archéologie.
D'après les archéologues, le nombre important d'épaves coulées en Bretagne pourrait en faire une zone test en matière de valorisation du patrimoine immergé. De nouvelles pistes restent donc à explorer, synonymes de développement culturel, touristique et économique pour toute la région.